Bonjour à tous. C'est moi, Bob. Mon petit frère Brisketer. Demain, tu vas en Côte d'Ivoire. Le pays s'est arrêté de tourner à cause d'un dialogue. On a failli enterrer nos frères comme des indigents. Le peuple a crié. On a été scandalisé. C'est vous qui avez dit que vous alliez trouver des experts de Perrinco pour reconnaître nos frères. Mais jusqu'à là, on n'avait rien eu, même pas un communiqué sur le retour ou les résultats de ces analyses. À ce jour, on n'a aucune raison officielle sur les raisons de cet accident. Et aujourd'hui, nos frères ont fait leurs obsèques. Aucun média n'en parle. Aucune autorité ne se déplace. Même pas le maire. Même pas le gouverneur. Vous êtes tous au dialogue. C'est des Gabonais qui sont morts. C'est des Gabonais qui sont morts. Ils vont être enterrés comme ça. Demain, certains corps vont partir sur Bitam et Oyem. Une explosion qui a fait autant de bruit, autant de tapage. Le Premier ministre ne peut même pas envoyer quelqu'un, un représentant du gouvernement. Quand je vous dis que la mort, on s'en fout. On s'en fout maintenant de la mort de notre pays. On m'a dit que vous allez donner quelques maisons aux femmes. Vous allez donner des... Je ne sais pas si la famille va toucher la moitié des salaires, mais la moitié de quel salaire? Ces gens-là, ils n'étaient même pas salariés de Prinko. C'était des prêts, ils étaient des intérimaires. Vous allez donner des maisons aux femmes et vous allez aider les enfants jusqu'à 18 ans. Vous avez enlevé leur père. Voilà mon pays. Voilà mon pays.